Il est 10h05. JRK du Camer, de Baham. Et comment? J'espère que tu vas bien. Faut parfois s'habiller même pour rien, non? Faut parfois t'habiller même pour rien. Faut provoquer sa chance, mon gars. Faut provoquer ta chance. À 23h, donc vous préparez à dormir. Donc on a un décalage de 11 heures de temps avec l'Amérique du Nord. La vie est un combat, il faut toujours être là à l'heure. Voilà, parfois on saute sur sa chance parce qu'on est arrivé en retard. Faut parfois te laver, tu pars dans un restaurant, tu t'assois. Le jour que tu n'as rien à faire, ah oui, tout est possible dehors. Ah oui, tout est possible quand tu changes d'endroit. Voilà. Si nous sommes dehors, c'est parce que le chez nous ne nous a pas porté bonheur. On a décidé d'aller ailleurs. C'est-à-dire, si on décide d'aller ailleurs, ça veut dire qu'on vise loin. Qui vise loin doit saisir chaque opportunité. Et pour cela, tu dois mettre la chance de ton côté. Voilà, nous tous sommes dans la chance, mais il faut provoquer sa chance. Il y a le jour où tu vas dans un restaurant, dans un hôtel Fab Star, tu prends une tasse de café, même à 20 dollars. Voilà, c'est bien quoi. C'est bien, tu vas dans un resto. Voilà, c'est bien. Ou parfois, changer d'espace, changer de milieu, c'est important dans notre vie quoi. Les gens qui disent souvent que Mbanga Diaspora, hey, tu m'as vu en personne. Il ne faut pas seulement dire que Mbanga Diaspora, tu es comme ça, tu es. Mais viens me voir en personne. Il faut me rencontrer en personne. Ce sont les filles qui m'insultent souvent là. Bonjour, Petrabel. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu es toujours en t-shirt. Mbanga Diaspora, tu es toujours en culotte. Tu es toujours en t-shirt. C'est parce que je veux te faire voir ce que je veux que tu voyes. C'est comme ça. C'est que si on ne peut pas faire 20 ans de voyage, 25 ans de voyage, on ne peut pas être un gars du Mungo et être villageois. C'est que si. Et il n'y a pas un gars là qui ne fait pas l'erreur, qui ne fait pas les efforts d'être passable. Tout gueulard, 90% des gueulards sont des personnes qui font l'effort d'être passables, qui font l'effort d'être mieux, pour que sa parole ne se retourne pas contre lui-même. Donc les gueulards automatiquement sont des personnes que j'aime, quand quelqu'un est gueulard. Voilà. Mais il ne faut pas gueuler, tu comptes sur les gens. C'est-à-dire que tu es un faux gueulard. Quand tu es un gueulard, tu dois faire l'effort. Pas demander à tes oncles à tes bas que qu'est-ce qu'ils font dans les chantiers des travaux publics, tout ça en costume. Pas demander à au ministre des travaux publics, non. Pas demander à tes frères qui sont dans les bureaux à Yaoundé là-bas que qu'est-ce qu'ils font en costume, hein. Normal, le pays là,
Il est 10h13 minutes ici là. Tout pour vous, rien pour les autres. Et vous-même, les premières victimes. Le sud, l'est, le centre, il y a la route. Il y a la route. Regarde l'entrée de Yaoundé, la poubelle, la poussière. Tu peux te filmer là-bas. Tu peux te filmer, battu au Ona. Maudit. Maudit comme ça, là. Dans un pays normal, c'est les gens qui doivent offrir les forages. Dans un bino. Tu as vu le film Zombie, non? Quand le film est zombie, quand le chef bandit meurt, tout le monde meurt, ils vont, vous allez tous disparaître. Vous avez trop fait du mal à ce pays-là. Vous êtes frustré. Vous-même, vous savez que vous avez gâté le pays. Mais vous êtes frustré que, eh non, il n'y a pas de règlement de compte. La conscience de chacun va le taper dans sa tête-là. Il n'y a pas le règlement de compte. Il n'y a pas la guerre. Partez avec la malchance. La conscience de chacun va le gérer. Chacun va venir témoigner que vraiment, 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 je reconnais. Comme au Rwanda, chacun témoignera. Les innocents qui sont partis en prison, le village qu'on a utilisé pour prendre les biens des autres, pour influencer les gens, pour intimider les gens, les personnes qui ont vu leur vie détruite. Ah, regardez-moi l'autre. La malchance que tu ne comprends pas, Patrick Ohona, que après Bia, ce sera Bia. Mon ami, tu as vu, non? Quand Dieu veut t'abandonner, il te rend d'abord fou. C'est vague. Quand Dieu veut t'abandonner, il te donne un sort comme Alim Bongo. Alim Bongo. Oman Bongo était le roi du Gabon. En partant, il a laissé la place à son prince. Ok? Ce n'est pas le coup d'État. Oh. Avant ça, Dieu lui avait déjà frappé. Donc, ça veut dire que quoi? La chance que le père a eue à avoir fait du mal pour longtemps, l'enfant n'aura pas la chance là. Et tu comprends? Il y a toujours une fin à tout. Que après Paul Biya, ce sera Paul Biya. C'est toi qui penses. Les Camerounais peuvent même dire qu'on laisse. Mais la nature décide autrement. Tu vois pas les crashs d'avion? Toute une famille meurt. Donc Dieu, quand Dieu décide de libérer un peuple, d'abord il éveille le peuple. Quand le peuple se plaint, quand le peuple pleure, quand les gens pleurent, les gens revendiquent le bien-être, que quelqu'un, pendant les années, il les a enfermés, il les a étouffés. Le plus important, c'est que l'enfant connaisse la vérité. Quand l'enfant connaît dans la vérité, tout ce que tu fais là, ça ne marchera plus. Les Camerounais hier, il y a de cela 20 ans, ne sont pas les Camerounais d'aujourd'hui. Chacun rappe 5. Chacun commence à prier. La prière dépasse tout. Il rend les enfants fous. Regardez, président, ministre, vie bizarre. Le ministre, il a perdu son fils. Il a perdu son enfant. Il ne parle pas. Je connais beaucoup comme ça là. Le cœur, ça saigne, ça fait mal. Tu ne peux pas asservir un peuple pour longtemps. Tu ne subis pas les séquelles de ça dans ta famille. Personne. Tous ceux qui font souffrir le peuple ont des séquelles de ça à la maison. Ceux qui ne veulent pas seulement venir vous dire. Ah oui. La vie est compliquée. C'est les pleurs à la maison. Les enfants malades, les enfants traumatisés. Les problèmes. Les décès suspects. Tu vois où on parle? Après le Cameroun, ce sera le. Après Bia, ce sera Bia. Ah bon, hein? Chacun peut rêver, non? Il n'est pas interdit d'être ambitieux. Mais il y a ce qu'on appelle la nature. Hein? Voilà, il y a ce qu'on appelle la nature. Alim Bongo, on a refusé de l'envoyer en prison. Il est en résidence suivée. Mais il fait face à son destin, à son corps lui-même. Et avant même qu'il ne soit renversé,
il faisait déjà faire face à ses problèmes. D'abord, la santé dépasse tout. La santé dépasse tout. La santé est la chose qui dépasse tout ce qu'on peut chercher sur la terre. La santé. La femme est en prison. L'enfant est en prison. Président de la République, fils d'un ancien président, plus de 40 ans au pouvoir. Lui-même, il arrive. Quand Dieu dit que votre règne s'arrête, ça s'arrête. Ouais, l'enfant va prendre le pouvoir avec toute la force. Non. Non. C'est comme ça la fin. Un jour viendra même Olingi, le Seigneur peut le frapper. Il dit que je laisse le pouvoir, comme Kabila a fait au Congo. Oui, quand Dieu veut libérer un peuple, il amène une nouvelle ère. Celui que tu penses qu'il sera plus pire, là, il vient changer les choses. Kabila a laissé le pouvoir. Étant plus jeune, le voilà, il est tranquille. Mais voilà ton grand-père, là à quoi il devient. Il fait honte. On crie, on met la main sur les oreilles. A pas honte. A pas honte. Faut rien. A pas honte. C'est vous qui voulez qu'on vous ovationne. C'est vous qui voulez qu'on vous acclame. Mais on fait les bruits. Mon ami, je suis un homme heureux. Je ne gère pas la fortune publique. Ce qui est sûr et certain, ma condamnation ne peut être comme la condamnation de quelqu'un qui doit à tout un peuple. Voilà. Ma condamnation ne peut pas être comme la condamnation d'un monsieur à qui on a confié le destin d'un peuple et qui ne s'est pas engagé, qui a détourné tout pour lui seul et sa famille. Bande d'imbéciles. Les condamnations sont différentes. Voilà. Voilà Ali Bongo. Il est l'ombre de lui-même. Voilà sa condamnation. Sa femme est en prison. Son garçon est en prison. Tout le staff en prison. Sa mère pleure en public. Ta mère qui te soulevait en public, là, elle pleure. Il n'y a pas une condamnation qui dépasse ça. L'humiliation. Pour vous, quoi, c'est quoi? La mère est là, elle est vivante. On dit que chacun va voir ce qu'il a fait sur terre avant de mourir. C'est devant tes parents que ton père va, que le Seigneur va t'humilier. C'est entre vous là que l'autre sera en prison là-bas. L'autre sera là-bas de son côté, en résidence surveillée. Parce que lui là, son état ne le permet pas qu'on l'envoie en prison. Il va faire honte. C'est devant toi que ton fils sera en prison pour avoir participé à la complicité à détruire le peuple avec toi. Quand on vous dit qu'épargnez vos enfants de vos bêtises, vous refusez. Quand on vous dit enlevez les yeux sur les choses de vos maris, quand ton mari commence à faire le mal, dis que chérie, je suis comment d'accord, éloigne-toi. Éloigne-toi vite. Que ça serve de leçon, l'histoire d'Ali Bongo. Éloigne-toi. Voilà. Quand tu t'engages trop, tu es complice. Éloigne-toi. Le diable d'abord ramasse tous les voisins, tous les à côté, avant que maintenant toi là, on te donne ta part de dose. Comme ça. La situation de Ali Bongo ressemble à quoi? C'est même plus grave. Va te soigner, il va guérir comment? Ne guérit pas. Voilà son sort. N'allez pas à la prison. Parce que s'il est en prison même, il va donner un gros travail au gardien de prison. Donc Beta, il est dehors. Au départ, j'ai pas voulu. Mais avec le temps, j'ai compris. Beta, il est en liberté. Il fait honte. Sa famille va venir le voir. Tu sais, c'est ça l'humiliation. Tu es vivant, mais tu es l'ombre de toi-même. Tes cousins viennent te rendre visite. Tes frères te rendent visite. Tout le monde te rend visite. Ta mère vient te rendre visite. Elle pleure. Wow. Fait mal. Le cœur des gens que tu as brisé, les familles que tu as détruites, que ton père a détruit là. Père. Merci. Bena, tu peux faire quoi? C'est normal, non? Soutenez le village. Est-ce qu'il y a un problème? Anastasia, Bena. Chacun va lire. Ne dérange pas. Reste la fête, chip. Dis que ce qu'on dit là, c'est quoi? Ça va impacter dans ta vie, toi-même là. Voilà. Tous ceux qui font semblant de ne pas voir, eux-mêmes là, deviendront aveugles. En vrai.
Tu fais semblant de ne pas voir, non? Bah, c'est ton frère, non? Non, le moment viendra. Un système qui n'oriente personne. Un système qui humilie tout le monde. On épargne personne. Même notre enfant, même notre ami, Samuel Eto'o, l'une des superstars africaines qui vit, qui est là. Vous avez tout fait jusqu'à vous l'avez mis dans les. Vous l'avez mis entre vous. Il y a même là où quand on dit qu'on fait le mal, on dit que bon, on épargne celui-ci là. Celui-ci au moins, on se vante avec lui. Mais il faut les salir. Vous salissez tout le monde. Dieu même il est complice, il n'est pas un enfant. Mais dans la vie parfois, quand on est honnête, on épargne certaines personnes. Hein? Vous mettez tout le monde dans la boue. Les Richard Bona. Voilà Richard Bona au Mexique, au Brésil. C'est pas en Europe. C'est pas en Amérique. Parce que là-bas, il est là connu. Au Brésil, au Mexique, au Cuba. Il fait les concerts en Indonésie, au Kazakhstan, au Népal. Hein? Richard Bona fait les concerts. Vous salissez tout le monde. Un système où personne n'est épargné. Même les personnes de valeur, on salit. Parce que chacun va chanter vos louanges. Vous êtes malade? Quand les hommes se fâchent, la nature réagit. Et la nature va réagir à la place des Camerounais. Vous allez voir, il a dit qu'on va te mettre mal à l'aise. Ah oui. Donc l'heure est arrivée où on te dit que tu dois négocier. Vous n'avez pas écouté ce que Macron avait dit. Macron avait dit que j'ai demandé à Paul Biya que s'il ne libère pas M. Kamto, il n'assistera pas à la conférence. C'est un message fort. C'est pour dire que moi-même, dans mon pays, j'ai des problèmes. Et j'ai déjà les citoyens de ce pays-là, ici-là, qui ont la nationalité. Et que moi, le moment des élections, j'ai besoin de leur suffrage aussi universel. Et ils se plaignent dans leur pays adoptif pour certains qui sont nés, grandis là-bas. Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc l'air est en train de changer. Ok? Et avec le temps, la décision ne vient pas toujours du Cameroun. Tant que vous n'avez rien, tant que vous n'êtes pas un pays autonome, indépendant en vrai, l'ordre doit tout venir d'en haut là-bas. Et le maître suit là où il a l'intérêt. Tu te rends compte que pendant tes élections, pendant ta présidence, ce n'est que les bruits. Ce monsieur t'abandonne. Il ne faut pas avoir le bac plus 10 en géopolitique, en géostratégie pour comprendre cela. Voilà. Tu n'as pas vu la sanction vote que Marine Le Pen a remporté. C'est ça. C'est la sanction. Pour tous vos micmacs qu'on fait en Afrique là-bas, là. On n'est pas d'accord. Sanction. Marine Le Pen a pris de la sanction. C'est clair. Mais oui. C'est clair. C'est une sanction vote. Les discours. Oh, la droite, la gauche. C'est quoi ça? Dis donc, sanction vote. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée nationale. Il n'a encore rien vu. Il n'a encore rien vu. Dans la famille, on était ensemble.